faisait longtemps les amis, un peu de Skibidi Toilette Zombie sur cette chaîne YouTube. Manga, ça m'avait manqué, ça faisait genre peut-être 2 semaines, un truc comme ça, que j'attendais de nouveaux épisodes. On va regarder les amis l'épisode 28 et 29 de Skibidi Toilette Zombie Universe. Apparemment il y a des masterclass qui vont se passer dans cet épisode, donc écoutez, on est parti pour regarder tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Let's fucking go. On est parti les amis, Skibidi Toilette Zombie Universe 28. On met le pouce bleu et on est parti pour regarder tout ça. Il n'y a pas de sous-titres, donc à mon avis dans tous les cas ça parle pas trop. Skibidi Toilette by Dafuck Boom. Oh, ah oui, je me rappelle. Ah oui, il y avait le G-Man qui avait plus de... Il avait plus de batterie en fait. Il avait plus de batterie dans son truc, donc malheureusement tout s'enlève parce qu'il a plus d'énergie. Et du coup il va se faire défoncer. Oh, il l'a repris. On va voir une nouvelle forme. Oh, what? On dirait qu'il lui a mis dans le truc. Oh, mais mec, ça faut taquer de dégâts, c'est abusé. Contre lui, ça lui... Ah oui, c'était un espèce de speakerman bizarre, là. C'était un espèce de monstre qui a été construit par les speakerman. Non! What? Oh, il lui a pris... What? Il lui a pris quoi, là? Il lui a pris une crotte de nez ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il s'est rajouté des bras. Il est over cheat. Attends, me dis pas qu'il peut utiliser le pouvoir de l'horloge. J'ai cru voir une horloge. Attends. Voilà, défonce-le. Voilà. Contre lui, c'est quoi la force du caméraman? Du titan caméraman, mon gars. Voilà. Oh non. Alors lui, il est insupportable. Lui, c'est un moucheron. Voilà, poursuis-le. Voilà, Plungerman. Bam. Explose sa tête. Oh, il s'est fait renverser par un train. Oh. What? Il y a un train. Le mec, il essaie de s'enfuir en train. Et vous faites quoi, là? Oui. Ah. C'est pris dans la tronche. Ah, baissez-vous, les gars, hein, parce que là, sinon, tu vas te le prendre dans la tronche, hein. Ouah, c'est quoi cet épisode de zinzin, là? Le mec, on est dans un film, là. Oh. Le truc est là. Oh. Il atterrit dans le train. Oh. Oh, oh, c'est une perceuse man en mode... Mais il est horrible, c'est une araignée transformée en zombie. Voilà les gars, va falloir... Ouais voilà. Va falloir faire équipe parce que là sinon vous allez vous faire défoncer par l'araignée. Non mais regardez sa tête, c'est quoi ce truc là? Il fait super peur. On enchaîne avec le numéro 29 les amis. On met le pouce bleu et on est parti pour regarder tout ça. C'est parti, let's go. Skibidi Toilette by Dafuck Boom. Oh. C'est quoi ce qui a marqué à côté? J'ai pas vu. Oh, il a le pouvoir du nuage noir. Mais quoi? Pourquoi il a ce pouvoir? Ouh. What? C'est quoi ça? Oh là, il y a les barreaux qui s'écartent. C'est quoi ce truc? Non, dis-moi que c'est un rêve. Non, non, c'est un rêve. Ça n'existe pas. Oh non, quand même. Heureusement qu'il a esquivé en fait. Mais c'est quoi ce truc, mon gars? Ah, moi qui aime pas les araignées dans la vraie vie. Ah, ça me dégoûte. Ah, j'espère qu'il n'y a pas des arachnophobes qui me regardent. Oh, il y a un couteau pour couper du saucisson, peut-être? Voilà, pour lui couper la tête! Oh! Wesh! Voilà! Plante-lui la tête! Ah, j'en étais sûr, c'était un rêve. Non! La mode! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, tu récupères la clé USB, c'est pas grave. C'est pas grave, allez, allez, c'est bon. Il y en a plein d'autres comme lui, on s'en fiche. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la clé USB! Bon, jette-lui ton couteau dans la tronche et barre-toi, là. Je sais pas, fais un truc. Oh! Voilà, mais pourquoi il y a des... Oh! C'est quoi ça? C'est Clockman? Attends, c'est quoi ce gros truc là? What? C'est quoi? Oh non! Attends! Oh non! Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Oh là, c'est quoi ceci? Oh mais c'est le Drillman! Attends, dis-moi qu'il n'est pas en zombie! Attends, je me rappelle plus, il est en zombie ou pas? Ou c'est la première fois qu'on le voit? Je sais plus. Voilà! Dans le pied, mon gars, tu restes ici! Allez, hasta la vista! Et il va se faire défoncer! Voilà! Allez, on n'en parle plus! L'araignée, ça dégage! Oh, il arrive à nous! Oh! Wesh! Oh, il était à deux doigts, mon gars, de se faire défoncer! Attends, mais le Drillman est en mode zombie ou pas? J'arrive pas à savoir s'il est en mode zombie parce qu'il était quand même à deux doigts de nous défoncer, hein! Codename Atlantis. Attends.
Attends. Il est en mode zombie ou il est pas en mode zombie? En vrai, les amis, il est beaucoup trop stylé, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que là, il est en mode zombie ou est-ce qu'il est en mode normal? Parce que s'il est en mode zombie, on n'est pas dans le caca, les amis. En bonus, les amis, on va regarder le Skibidi Wars numéro 104, partie 1, que j'avais pas vu la dernière fois. Donc, on est parti pour aller tous ça en mettre pouce bleu. Et on est parti, let's go! Skibidi Twain by Dafegoon. Eh, j'ai l'impression que tout le monde le met maintenant. Genre pour pas se faire défoncer par Dafegoon, je sais pas. Alors ouais, je me rappelle que la dernière fois, il y avait cette espèce de gros machin, là. Un mi-caméraman, mi-micro... Mais non! Wesh! J'ai eu trop peur! On s'est fait attaquer, là! Yonk? Comment ça, Yonk? Il est bizarre, lui. Ouah, la tête que t'as, mon gars! Ça, bro? C'était les traductions, ça? Ils sont bizarres, les traductions. Oh... What? Mec, il est tellement flippant. Vous imaginez, il y a ça dans la vraie vie? Eh, mais moi, je cours, hein. Mais regardez leur tête de chou-fleur, là. Oh. Oh, what? Oh, caméraman? Bien sûr, toujours. Toujours, toujours, les amis. En mode vraiment upgrade, en vrai. Il a plein de missiles autour de lui. Il est trop stylé. Voilà. Barbotte, mon gars. Ah, c'est lâche, hein. T'attaques par derrière, hein. Et bah, voilà ce que t'as. Arrêtez d'attaquer par derrière. Oula, par contre lui. Ah, par contre lui, ça fait pas les mêmes dégâts. Lui, par contre, mon gars, t'as pas intérêt à te faire défoncer, hein. Ouh, ça rigole pas, là. Ouh. Ouais, c'est quoi cette épée de zinzin, là? Voilà, défonce-le. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est quoi, ce gros bouclier? Oh là 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 là, épée contre épée. Qui va l'emporter? Et qui va péter? Non, 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 pas ça. Voilà, voilà. Oh. Oh, le lance-flamme. Voilà. Eh, mais par contre, lui, il a tout, mec. Il a les speakerman, caméraman, microman. C'est quoi, bientôt, là? C'est machine à laver, man? McDonald's? C'est quoi, ça? Voilà. Il s'en mode. Oh. Eh, quand même, il se laisse pas faire, hein, le caméraman, hein. Un petit pouce bleu pour me dire que tout va bien. Ok, je vais me faire voir, pas de soucis. Oh, ça va être... Je sens que les deux, laser contre laser. Attention. Oh. Wesh. Oh, il en met 4. 4 lasers. Et toi, t'as pas 4 lasers, mon gars, donc tu vas te faire défoncer. Hasta la vista. Et ouais, tu fais pas le poids face au caméraman. Qu'est-ce qu'on dit maintenant, hein? Voilà. L'épée dans le cœur, arrache-lui la tête, là. Arrache-lui son coup de poulet. Non, mais allez, là, tu fais quoi? Tu lui caresses les cheveux ou quoi, là? Le manga, il avait tout le temps lui arracher la tête ou lui mettre des coups. Tu fais quoi? Tu caresses les cheveux? Bah ouais, mais non, mais caméraman, t'es pas... Tout n'est pas concentrao. Tout n'est pas concentrao. Il faut être concentré, manga. Du coup, là, il est en train de se faire défoncer, manga. Oh, là, il y a trop de casse, là. Non. Oh, TV Man, c'est la fin pour vous. Mais c'est quoi ces traductions, mon gars? Les traductions, ils ont pété un câble. Mais mec, qu'est-ce qu'il a dit, là? Attends. Alors, il y a marqué « She's éléphant pour vous ». À mon avis, il y a un personnage qui dit « C'est la fin pour vous ». Mais alors, quel est ce personnage? Ça, j'en sais rien du tout, mon gars. Bon, ben, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, les deux épisodes de Skibidi Twain Zombie étaient masterclass, mon gars. Vraiment, j'adore la série des Skibidi Twain Zombie. J'espère que vous aussi, les amis, on a également pu rattraper notre retard sur le Skibidi Wars 104 de Virlance. Donc, franchement, c'était vraiment une vidéo muy caliente. Dès comme on les aime. Bref, cette vidéo t'a plu, tu peux me le dire dans les commentaires. Si tu t'ennuies, va voir une note de mes vidéos totalement masterclass justice. C'est mon petit kiki. Nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Wissam, gros bisous, à la prochaine. Ciao ciao.